Julie, donc on est ici au Champ commun, à Ougan, en Morbihan. Et en fait, tu es ici de passage. Tu es dans un parcours de compagnonnage. Il y a un peu plus de 6 mois, tu as tout lâché. Tu as abandonné ton appartement à Toulouse, tu as abandonné ton travail. Alors explique à nous un peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup, à 33 ans, tout lâché. Mon parcours de vie s'est réalisé en milieu citadin depuis mon enfance. J'ai travaillé dans l'animation en milieu scolaire et donc au centre-ville de Toulouse. Et j'ai eu envie d'acquérir des compétences sur des activités qu'on pouvait développer en milieu rural et qui seraient après support de transmission. Ça faisait déjà quelques petits moments que je me posais la question du sens que j'avais à vivre en ville et à développer des activités en ville. Ça fait plusieurs années que je suis dans une démarche d'apprentissage et de transmission. Et là, j'en arrive à un point où j'ai envie de développer aussi des compétences techniques en milieu rural, donc autour de l'éco-construction, restauration de patrimoine, permaculture. Et pouvoir contribuer à un projet d'installation collective. Et ce projet d'installation collective, il a un peu pris naissance quand même dans une activité que tu pratiquais donc. Voilà, parce qu'en parallèle, de l'école dans laquelle je travaillais, donc un centre de loisirs associé à l'école, j'ai été bénévole plusieurs années à l'association Études et Chantiers Midi-Pyrénées. Et on est arrivé à un point où l'association se questionne sur avoir un ou plusieurs lieux d'accueil et des lieux qui seraient à réaménager, à réhabiliter, notamment par des chantiers, mais y développer aussi des activités annexes comme de type ferme pédagogique, donc avec tout un tas d'activités liées à la terre, aux animaux, à l'apiculture, à de la transformation. Donc, c'est un projet personnel, mais c'est aussi un projet qui est inscrit dans un projet plus collectif autour de cette association Études et Chantiers. Quand j'ai quitté mon travail, je suis rentrée dans une démarche d'apprentissage par le woofing. Je voulais visiter la région toulousaine pour voir un peu dans quel environnement j'aurais envie de m'installer. Et du coup, le woofing me permettait à la fois de découvrir la région et à la fois de pratiquer, de rencontrer, de me faire un réseau aussi, tout simplement. Rappelle-nous un peu ce que c'est que le woofing, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le woofing, c'est une façon de découvrir et de travailler avec des personnes dans des activités qui, à la base, peuvent être liées à l'agriculture, mais aussi à de la rénovation. C'est une façon de pouvoir découvrir et expérimenter des activités sans cadre particulier où on pourrait avoir une pression de résultat, c'est vraiment une démarche de rencontre entre individus autour d'une activité. Donc on va venir en soutien de particuliers ou d'associations ou de collectifs autour d'une activité. J'ai rencontré un couple de cinquantenaires qui se sont installés depuis un an à côté d'Albi, donc des personnes qui vivaient aussi en ville, donc un comédien et une psychologue. Qui ont racheté une grande maison et qui veulent développer en partie un projet aussi de développement territorial, enfin autour de la commune dans laquelle ils se sont installés, en développant des ateliers de théâtre forum, de débats, de jardins partagés. Ils ont plein d'idées. Et là, tu les as aidés à rénover leur maison, À c'est ça? rénover la maison, oui. Et puis j'ai mis la main aussi à la pâte pour le jardin, donc eux ils souhaitent travailler en biodynamie, donc ça me permet de découvrir aussi un petit peu ce qu'est la biodynamie et puis concrètement de mettre les mains dans la terre et de comprendre par Cette façon d'apprendre en faisant finalement, ça t'est très particulier ça. oui pour moi c'est l'apprentissage qui depuis petite m'a le plus marqué et à travers lequel j'éprouve le plus de plaisir, surtout quand on fait avec des gens, quand on fait ensemble quelque chose. À la fois on apprend à faire,
Et en plus, on apprend à rencontrer et l'activité est le meilleur support. T'entends parler quand de ce réseau repas ? Par des collègues de mon association déjà qui se questionnent par rapport à cette envie de faire du woofing, qui pouvaient assimiler cette démarche-là à celle du compagnonnage, sachant que le compagnonnage, du coup, le cadre est plus formel et reconnu comme une formation. Et c'est un moyen d'aller, je dirais, beaucoup plus loin dans la rencontre et dans le questionnement sur les formes d'organisation de travail qui sont différentes de celles qui sont pratiquées aujourd'hui dans les entreprises. C'est une formation qui dure plusieurs mois. Moi, je m'étais donné une année d'expérimentation et de rencontre, donc ça collait parfaitement. Donc en fait, cette année d'expérimentation et de rencontre, tu vas le faire aujourd'hui dans le cadre des activités du réseau Repas comme compagnonne, puisqu'en fait on est compagnon ou compagnonne, un peu comme on est compagnon du Tour de France, c'est la même idée. Alors les compagnons du Tour de France, il me semble que c'est beaucoup plus sur l'apprentissage concret d'un métier, donc un apprentissage technique, alors qu'au compagnonnage Repas, on découvre en faisant équipe avec... Les personnes qui composent la structure, aussi la forme d'organisation, le fonctionnement, la gouvernance, des enjeux humains, économiques, et du coup la première étape après un regroupement qu'on a vécu pendant une semaine début février, la première étape que je viens de vivre, c'est une immersion de 5 semaines au champ commun à Augan, où je faisais équipe principalement avec l'équipe épicerie, j'ai vécu ces 5 semaines en tant que un peu à l'image d'un salarié épicier, donc avec les mêmes horaires, mais en ayant une démarche à côté de pouvoir rencontrer tous les acteurs du champ commun, sachant qu'au champ commun il y a aussi un bar café concert, il y a une brasserie, mais il y a aussi des associations associées qui gravitent autour, donc c'était aussi comment voir au sens plus large comment l'équipe au global fonctionne. En fait, il ne s'agissait pas d'apprendre à être épicière. Non. Mais il s'agissait d'apprendre à mettre en place une activité avec un collectif, quoi, c'est ça. Mais un collectif qui fonctionne un peu différemment que les entreprises habituelles. Qui tend vers l'autogestion. Donc on a tendance à dire qu'une coopérative peut fonctionner de manière autogérée, mais quelque part c'est un idéal que les coopératives visent. Puisque c'est un petit peu ce que j'ai pu observer. Il y a quand même un rapport particulier aux fondateurs et aux anciens de par les nouveaux salariés. Donc la question de prendre sa place, faire sa place, trouver la légitimité aussi d'intégrer un projet en cours. Il y a ces questionnements-là qui m'interpelle puisque les équipes changent, évoluent. En fait, on est sur les rapports sociaux dans l'entreprise. Aussi, j'imagine, comment on décide ensemble. Déjà, moi, c'était des questions que je me posais avant le compagnonnage. Et là, j'ai eu matière à questionner, effectivement. Donc, c'est très intéressant. Et dans le travail de compagnonnage, puisqu'on a eu un regroupement d'une semaine avant de commencer nos immersions, on a travaillé sur un module de recherche. On a dû travailler à 20. Sur la question de en quoi les structures dans lesquelles on va faire notre immersion travaillent-elles à changer le monde. Donc à 20, il a fallu s'organiser, se questionner sur comment on va poser cette question-là, par quel biais, par quels axes, comment on va récolter l'information, comment on va la retranscrire. Et du coup, à 20, y a des questions, ça enrichit les questionnements des uns et des autres. Et l'idée, c'était de prendre en compte les questions de tout le monde, de les agencer et de les organiser de manière à ce que moi, qui ne vais pas forcément pouvoir passer dans toutes les structures, je puisse trouver les réponses à mes questions à travers l'immersion des autres. On apprend à sans doute se comporter autrement. Remettre en question des mécanismes inconscients aussi, des rapports de domination qu'on subit, entre guillemets, depuis qu'on est à l'école. Enfin, même en famille, des questions d'âge, de genre, d'ancienneté, de rapport au savoir, à la compétence, des questions de légitimité, est-ce que moi qui viens d'arriver dans une structure,
je peux soumettre mes idées, mes propositions ou pas, comment. Et puis bah, moi, là, de me questionner sur, bah, effectivement, dans cette volonté d'autogestion, bah, comment on s'organise en réunion pour prendre des décisions, quels outils sont mis en place ou pas, comment les équipes se remettent aussi en question au fil des années et re-questionnent leurs projets. Et là, par exemple, bah, comme le champ commun fait partie du réseau repas, au-delà du compagnonnage, le réseau a du sens aussi pour que les acteurs des différentes structures puissent faire des retours de pratiques, des échanges de pratiques et puissent se nourrir mutuellement des expériences des uns, des autres, et des façons de faire et des façons de gouverner ensemble. Et alors 5 semaines, c'est suffisant? C'est très court. Oui. J'ai fait mon bilan hier. Tu fais ton bilan avec le responsable de la structure, avec l'équipe, avec... Pas de responsable de structure. Ah oui. En fait, dans chaque structure du réseau repas, il y a un référent de la formation compagnonnage. Ben, moi, j'ai eu la chance d'en avoir eu deux. Donc, l'équipe épicerie était presque au complet. J'ai eu un des fondateurs du projet du champ commun qui était présent également. Et ben, l'idée, c'est de retranscrire mon expérience d'immersion, l'atteinte ou non des objectifs que je me fixais par rapport à cette immersion. Qui pour ma part était un pouvoir avoir un positionnement un peu plus clair sur mes attentes entre vie privée, vie collective, vie professionnelle, comment agencer ou segmenter ces questions-là, avoir des apports théoriques sur aspects juridiques, économiques, etc. Les relations humaines, parce que voilà, les relations humaines, ça me passionne, donc les leviers, les difficultés rencontrées par les personnes par rapport au collectif, les temps difficiles et les temps moteurs. Qu'est-ce que le collectif apporte à l'individu dans son travail? C'est ton bilan, le bilan de ce que tu as appris, mais ça renvoie aussi à la structure qui t'accueille, à une espèce de regard extérieur. Il y avait une volonté de leur part aussi d'avoir des retours sur les questions que peut se poser le groupe compagnonnage de cette année. Ils reçoivent chaque année plusieurs compagnons et je pense que c'est... bah, le regard de chacun qui apporte des choses différentes, qui est intéressante. Si tu devais souligner un ou deux enseignements de ces 5 semaines, bah, la part de militantisme qui est indispensable pour qu'un projet de cette taille fonctionne, en tout cas dans cette structure. Savoir que les salariés travaillent pour un SMIC, mais ils consacrent un temps... un temps supplémentaire pour leur activité, mais aussi un temps collectif pour les projets qui gravitent autour, notamment là aujourd'hui la question de l'auberge, mais aussi la transmission du projet, puisque au champ commun il y a la volonté aussi de témoigner d'une expérience. Tu as découvert ce projet du champ commun, puis tu as découvert une région aussi. Comment il transforme la société? La volonté du champ commun, c'était vraiment de redynamiser un territoire rural en créant du lien social autour d'activités concrètes. Donc effectivement, le bar-concert permet aux gens de se rencontrer et tout un tas d'animations sont mises en place aussi pour que les gens se rencontrent, et au niveau intergénérationnel aussi. Et d'autre part... par l'activité de l'épicerie, il y a aussi une valorisation des producteurs locaux. La production de fruits et légumes, de fromage, de viande, puisse être relocalisée. Ça me parle, donc oui, effectivement, il y a de plus en plus de centres commerciaux et de grandes surfaces qui sont en train de pousser comme des champignons un peu partout, et c'est une forme de résistance que de créer ce type d'activité au sein de petits villages. Alors aujourd'hui, tu arrives au bout là, de cette première immersion. Explique-nous comment ça va se passer après, alors, dans le cadre de ton travail qui va durer plusieurs mois. Donc le compagnonnage, depuis cette année, ça dure 8 mois. Donc une semaine de regroupement, 5 semaines d'immersion, 5 semaines de groupe action, 2 semaines et demie du côté de Chambéry en groupe action, où là on va expérimenter le propre fonctionnement du groupe qu'on va former pendant ces 2 semaines et demie, avec une mission, un objectif, des outils, et à nous de construire notre propre organisation, notre fonctionnement, comment on va prendre les décisions, comment on va se répartir le travail. On va définir ensemble notre méthode. Et après 2 semaines et demie dans la Creuse, dans une ressourcerie, voilà, c'est 5 semaines de groupe action en 2 lieux différents.
Et ensuite, on va tous se regrouper de nouveau, donc tous les compagnons, on est 20 cette année, autour de 3 semaines de regroupement, où là, on va faire un peu le bilan, un échange retour de pratiques par rapport à nos expériences respectives. Après cette période de 3 semaines, on va avoir 4 mois et demi pour pouvoir retourner dans toutes les structures du réseau Repas, sachant qu'il y en a une quinzaine, qui seront donc ouvertes pour nous accueillir par petits groupes, moyens groupes, seuls. Vous décidez aussi, d'une certaine manière, du processus de formation. C'est pas des formateurs qui vous disent « va falloir faire comme ça ». Non. Hein ? Même la formation, elle est autogérée quelque part. Hein ? Ben ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça parce que les formateurs qui se veulent s'appeler copilotes, donc c'est copile, c'est des copiles, c'est un référent par structure. Et du coup, c'est une équipe de copiles, pas de directeur de formation, il n'y a pas de... Donc eux-mêmes s'organisent ensemble pour construire la formation et à nous de se l'approprier et de développer nos propres outils d'apprentissage aussi. Elle est payante la formation, vous devez donner un peu d'argent, je crois, non ? Un petit peu. Ouais. Un petit peu, donc là c'est pareil, il y a une transparence qui est assez troublante, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils nous ont exposé le budget de la formation en mettant en avant, donc pas qui, mais les subventions qu'ils avaient eues via les différents pôles emploi, des subventions qu'ils ont demandées aussi à l'extérieur, le coût de la formation, et au final on se rend compte qu'il manque des sous. Et le parti pris, c'est les copiles vont moins se rémunérer. Ouais. Voilà la réponse qu'ils ont trouvée. Mais vous avez une participation. Donc nous, on a une participation minimum. De combien à peu près du... 1 080 €, c'est le minimum qui est demandé à chacun. Après, chacun vient, si possible, avec une subvention de son pôle emploi. Et sinon, s'il peut, vient apporter une contribution personnelle. Il faut avoir fait quelques petites économies. Aujourd'hui, ton statut, c'est d'être demandeur d'emploi, j'imagine. Hein, donc, tu avais le droit au chômage suite à ton départ de l'entreprise. Mais là, tu fais quelque chose sans doute pour Pôle emploi qu'ils doivent pas bien comprendre. Quoi. Donc, ça sort un peu des cadres habituels de la formation. Non, pour eux. Oui, bien sûr, parce que la formation n'est pas certifiante. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme, et ça, effectivement, pour justifier... Alors après, les interlocuteurs Pôle emploi, ils sont tous très différents, donc il faut parfois tomber sur la bonne personne et mettre du sens dans le projet. Donc j'ai réussi à dérouler un peu la cohérence de ma démarche et de mon projet futur. Donc avec ma conseillère a validé... Tu as le droit de faire cette formation dans le cadre de ta... On va pas dire que tu cherches pas d'emploi, tu as le droit. Quoi. C'est un acquis. Ouais. En revanche, c'est pas financé. C'est pas financé, mais ça dépend des régions. Les gens comme toi, ou de ton âge, vont voir cette vidéo. Et c'est quoi le message ? J'aurais envie de dire que parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer et prendre conscience des choses. C'est en vivant les choses qu'on les perçoit réellement. On a des idées, on a des valeurs, on a des convictions, mais tant qu'on s'y confronte pas concrètement et au contact des personnes qui la vivent et en le vivant, même si c'est quelques semaines, y a des choses qu'on capte pas, quoi.